le retour de la souffrance. Petite séance bas du corps. Là, on va faire vérifier les petites dents. Je suis venue chez le dentiste. Je sais que c'est pas évident de trouver un bon dentiste qui travaille bien. Au cas où, je vous mettrai la carte du mien puisqu'il est top. Moi, j'avais fait l'Invisalign avec lui. J'avais deux dents qui étaient en arrière. C'était pour aligner les dents. C'est un chirurgien vraiment orthodontiste. Si tu as des facettes, réaligner les dents, etc. Il est vraiment très très bon, très beau. L'Invisalign, ce que j'avais fait, je vais vous montrer, c'est des petites dents. Si vous ne connaissez pas, c'est au lieu de porter l'appareil. En moins de 8 mois, moi, par rapport à mon problème, je portais ces petites gouttières et ça m'a remis les dents. J'ai porté quotidiennement, je les enlevais uniquement pour manger et ça m'avait remis les dents en place. Il faudrait que je lui demande un avant-après parce que c'était vraiment flagrant. Il est vraiment spécialisé, ce que j'aime beaucoup chez lui, on est pas mal à y aller. C'est qu'il est vraiment spécialisé aussi sur l'esthétique, si vous voulez refaire vos dents, etc. Il est top. Donc là, ou donner un petit ordre d'idée, sinon il a eu toutes les grosses formations, enfin, c'est pas des formations, mais chez Invisalign, c'est vraiment le top du top à Lyon. Ils ont d'ailleurs bientôt un nouveau cabinet, hyper beau, hyper design. Voilà, il y a bientôt un changement d'adresse, mais si vous recherchez un dentiste, en tout cas, je vous le recommande vivement. Là, il est à Villeurbanne, la nouvelle adresse, ça sera pas très loin, je pense. C'est vrai que je vous montre, je vous ai mis le flyer, parce que j'avais pas mal de questions. Moi, si j'ai le temps, je lui demanderai mon avant-après. J'ai Giovanni qui est malade, du coup je vais aller le récupérer, mon petit chat. Voilà, en tout cas ça peut être une bonne adresse pour vous en tant que dentiste si vous en recherchez un sur Lyon et les alentours. C'est l'eau. Allez, direction l'anniversaire de Laura. Papa, moi, cassé. Eh oui,